Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet dominical direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le super handicap de la rentrée. J'espère que tout le monde va bien. On va d'abord retrouver les résultats donc de la veille. Jeudi dans le quintet, on est 2e, 3e, 4e, 5e. Je n'ai pas le gagnant, dommage, mais ça a été une arrivée de favori à Longchamp. Le course par course de Vincennes a été correct dans l'ensemble. Par contre, on fait 5 gagnants en 8 courses. On fait un 3 sur 4 gagnant du côté des objectifs. Le report dur qui passe. On a 2 trios en 3 chevaux, dont un à 59 contre 1, pratiquement 60 euros pour 1 euro. Donc ça, c'est pas mal. Et le jeu bonus nous clôture la belle réunion du côté des simples. Kerida Fedo qui s'impose à 7,30 euros. Le jeu bonus en septembre, c'est 5 sur 5, 2 gagnants et 3 podiums. Présentation du quintet de dimanche qui va se disputer en réunion à course 4, départ 15h15, terrain souple annoncé 3,7 par France Gallo, 1850 m, 14 partants, beau quintet. Très beau quintet, c'est un gros handicap entre guillemets classe 1 et qui reste assez ouvert malgré tout dans l'ensemble. On n'oublie pas le like et le partage pour donner de la force et nous c'est parti pour la sélection. Alors j'ai longuement hésité pour la base gagnante, mais j'ai gardé un cheval qui nous a toujours réussi, le numéro 9, Cléora. C'est un peu notre tube de l'été en base gagnante. On l'a touché par deux fois, deuxième et première. Jument qui a du mal à sortir des boîtes, donc attention parce que là le lot est un peu plus relevé que par rapport à sa victoire dans un quintet sur le sable. Malgré la pénalité, pour moi c'est une jument qui peut courir listed en sortant des boîtes. C'est une jument bien ramenée qui peut s'imposer dans ce genre de lot. J'y crois fort. En deuxième base, le 11 Tumbler. J'ai fait l'impasse le coup d'avant. Là, le cheval est supplémenté. Le terrain souple va l'avantager. Il fait tout type de terrain, mais le souple, je pense qu'il est meilleur. Ça va rouler, donc tout bon pour lui. Et le 3 septembre, il a un peu tout montré. En espérant qu'il ne soit pas monté dernier, si on arrive à le monter à mi-paquet, il ne sort pas des 3. Pour les chances, le numéro 2, Morphewan, il a gagné 2 quintés. Il se retrouve en 45 de valeur. C'est un très bon cheval qui s'adapte à tout type de terrain. Une sortie à Paris-Longchamp, une victoire. Il me décevrait en sortant des 5 premiers. En quatrième position, le numéro 6, Aska. Alors c'est un cheval qui a couru 6 quintés, qui a fait 6 fois l'arrivée, 3 sur 4 sur la piste à Longchamp, 5e pour sa seule sortie sur le parcours, vu qu'il se monte un peu de partout. Bivan en 5 chevaux, il est incontournable. En cinquième position, le numéro 7, Harryway, qui est supplémenté. En 19 sorties, il a pris 17 fois de l'argent. C'est un cheval qui a 2 sur 2 à Paris-Longchamp, qui a fait l'arrivée de groupe. Le 13 août, du côté de la teste, on lui a mis les œillères pour la première fois, le cheval s'est envolé, on lui remet les œillères, premier quintet, premier handicap, en 41,5 de valeur, il y a du pour et du contre. Parce que courir des courses à condition, c'est une chose. Courir les handicaps, surtout les gros handicaps, c'en est une autre. Mais bon, je pense que vu ses lignes, c'est un cheval qui doit jouer les belles places dans ce quintet. En sixième position, le numéro 3, Bivan. Alors c'est un cheval qui a gagné 2 quintets, qui est 4e récemment de l'Easted. Sur le parcours, c'est 3e, premier. Le cheval fait tout type de terrain, tout type de surface. Je pense qu'en 8 chevaux, il est incontournable. En septième position, le numéro 12, Devil in the Sky, c'est un peu la note, le 18 août dans le quintet remporté par Cléora, il a dû changer de ligne. Maintenant, le lot est supérieur, mais il suffirait de le préserver un maximum pour venir jouer une placette de 4e ou 5e. Et je termine avec le numéro 14, Hamlet's Knight. C'est un 3 ans de qualité qui a pris 3 places de 2e en 4 quintés. Maintenant, il monte de catégorie, mais sur la forme du cheval, en musardant un maximum, on peut venir chercher une place de 5e au sprint. Voilà, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, un bon quintet. À tous les gagnants, merci à tous et à demain.